Cette patiente présente des séquelles d'un accident vasculaire cérébral qui date de 6 ans. Elle sous-utilise ses possibilités, en particulier chez elle, elle est très sédentaire, elle reste dans son fauteuil et elle n'utilise quasiment jamais son membre supérieur gauche alors qu'elle a des possibilités. Le but de son séjour d'un mois en centre de rééducation est de lutter contre ce déconditionnement à l'effort aérobie, d'une part, et d'autre part, de lui donner de nouvelles habitudes qu'elle puisse faire chez elle. Pour ce faire, on a sélectionné deux exercices chronométrés. Un exercice où elle doit marcher de plus en plus longtemps. Donc c'est un exercice où le temps doit être de plus en plus long jusqu'à arriver à 30 minutes, qui sont recommandées par la Fédération française de cardiologie pour lutter contre le déconditionnement à l'effort. Et un deuxième exercice au niveau des membres supérieurs, c'est un exercice de transport d'objets qui est chronométré également et qui, lui, au contraire, doit être le plus court possible, le chronométrage, pour aller le plus rapidement possible. Et là, hier, elle en a fait une demi-heure. Regardez bien la montre. Elle est à votre gauche. Vous voyez qu'il est écart. Donc, à moins quart, jusqu'à moins quart, il faut marcher. OK? Donc, elle fait marche avant. Et pour pas tomber, marche arrière. Et le demi-tour, c'est un petit peu... On essaye de se redresser, rappelez-vous. Hein, on inspire un petit peu pour bien se redresser, on reste en apnée poumon plein et on se redresse un petit peu sur un ou deux pas et après on essaye de continuer à respirer et de se redresser toujours un petit peu. On corrige un défaut de marche, ça c'est possible, nous on a choisi cette flexion antérieure, 2 dirait Albert c'est du rêve, 3 c'est encore du super rêve. Donc, c'est le plus que ce qu'on peut corriger, c'est un défaut. C'est le maximum. Allons-y, c'est parti. Et le reste se fait par auto-organisation des mouvements. On ne peut pas tout corriger. Déjà, c'est difficile comme ça. Surtout, il ne faut pas qu'elle aille trop doucement. Auquel cas, on ne lutte plus contre le déconditionnement à l'effort aérobie, ce qui est le but de la manœuvre. Voilà, c'est parti pour une demi-heure. Test de vitesse et de précision en même temps. Il faut qu'elle rentre tous les objets dans la boîte, y compris le ruban. Vous avez peut-être intérêt à rentrer. Ouais, j'enlève ce qui me gêne. Voilà. Le chronomètre devant elle. Donc voilà. Ça c'est le plus lourd. Voilà, mettez bien les rubans à l'intérieur. Et on va voir le chronomètre alors. Allez, bien les rubans.
Voilà, là on y est. 3 minutes 23. Alors on utilise le plus possible des objets usuels, des clés, des pièces de monnaie, des rubans, enfin des choses de la vie courante. Le but étant de donner à cette patiente des programmes sensitivo-moteurs, et ces programmes sensitivo-moteurs sont très spécifiques. Si on utilise des objets qui ont des formes bizarres, des suicidies qui servent à rien, eh bien c'est sûr que le sujet apprendra à les utiliser, mais n'aura pas la pratique des objets de la vie courante. Donc, au maximum, il faut se rapprocher des objets usuels. Bien sûr, pour l'objet lourd, on n'a pas trouvé autre chose que cette rondelle, mais à part ça, on utilise au maximum des objets de la vie courante. Voilà ici une posture qu'on garde au maximum 2 minutes. Voilà, maintenant redescendez tranquille. Redescendez tranquille. Très bien. On essayera donc de lutter contre toutes les déformations orthopédiques, la rétraction des fléchisseurs du poignet et des doigts, la rétraction des adducteurs, les flexomes. Donc, on lui apprend des manœuvres d'automobilisation et d'autoposture qu'elle pourra éventuellement refaire chez elle. Les exercices d'auto-rééducation qu'elle doit faire seule ne sont pas les seuls exercices qu'on peut lui faire faire dans un centre de rééducation ou même quand son kinésithérapeute vient la voir. Ce n'est pas à la place de ces exercices, c'est en plus. C'est deux choses différentes. Le rôle du rééducateur, qu'il soit en libéral ou en centre de rééducation, c'est de vérifier que le sujet connaît son auto-rééducation. Mais en plus, il peut lui proposer des exercices comme la marche avec une canne qui fait travailler puissamment l'équilibration en position debout avec canne. Voilà. Voilà, jusqu'au bout. Faites le tour du... Voilà. Comme ça, vous aurez fait 150 mètres à la descente, plus pour aller jusqu'à votre fauteuil. Donc, il y a bien 20 mètres. Voilà. Voilà, là, on fait le tour et on va remonter l'allée. Donc l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que vous avez marché en kiné avec la barre que vous ne marchez pas à l'extérieur, donc c'est deux choses différentes. Là ça fait travailler un peu plus l'équilibre. Et l'endurance? Quoique l'endurance avec la barre parallèle, ça la fait travailler également. Mais là, c'est plus l'équilibre et puis c'est plus ludique en quelque sorte, puisque c'est à l'extérieur. Alors, on va donner qu'un seul conseil, c'est de vous redresser au maximum. Voilà, bravo. Lutte contre le déconditionnement à l'effort aérobie. Elle sait faire. Si. Donc voilà comment elle le fait, parce que sinon elle s'écroule. Elle n'arrive pas à le faire autrement que comme ça. Bien mettre les freins. Sauvé. En centre de rééducation, on peut multiplier les exercices. Par exemple, ici, essayer de renforcer les influx en flexion. On sait que cette patiente, elle a majoritairement des influx en extension, des influx extensogènes, et elle a une triple extension très très forte, donc c'est logique de lui proposer des exercices de renforcer la flexion. Mais quand elle est seule chez elle, il faut savoir qu'elle va oublier si on lui donne trop d'exercices. Donc il faut se recentrer sur l'essentiel. Avant tout, les deux exercices actifs qu'elle doit faire, la marche et puis les exercices de transport d'objets, et puis
un ou deux exercices pour le membre supérieur d'assouplissement, un ou deux exercices d'assouplissement pour le membre inférieur, et c'est déjà beaucoup. Faut pas surcharger, sinon c'est presque sûr qu'elle ne le fera pas. Question. Que ce soit en centre de rééducation ou lorsque la patiente se retrouvera seule chez elle, elle doit prendre l'habitude d'enregistrer quotidiennement sur une fiche les deux performances chronométrées que nous venons de voir. Peut-elle utiliser pour ce faire le protocole ProRé 4 actes ?